Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de planer sur 250 mètres avec un planeur à grappin en une seule fois. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra le planeur à grappin que vous voyez juste ici. Donc ce planeur, vous allez pouvoir le trouver un peu n'importe où posé au sol comme ça sur Fortnite ou alors vous allez pouvoir le trouver dans des coffres. Donc moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici, près de Broussailles. Voilà. Et ce que vous allez faire c'est parler à Broussailles et lui acheter un planeur. Donc ça coûte 250 lingots d'or. Donc vous lui achetez un planeur, enfin un planeur à grappin. Et ensuite ce que vous faites c'est que vous allez juste ici à côté, près de la plateforme. Après vous pouvez le faire autre part. Hein. Vous pouvez le faire par exemple dans les tempêtes, je pense que ça peut vachement vous aider à faire les 250 mètres. Parce qu'en fait, vous allez devoir voyager sur 250 mètres en une seule fois. Mais regardez, le planeur, regardez, moi, si par exemple, je mets un ping là-bas, c'est que 135 mètres. Hein. Si je fais ça, imaginons, hop, j'arrive même pas à 100 mètres de distance. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir près de la plateforme qui est juste en face de moi, qui vole justement. Et là, vous allez viser le réacteur de droite ou de gauche, hein, peu importe. Vous allez viser un des réacteurs et ce que vous allez faire, c'est sauter. Et quand vous sautez, vous voyez, vous pouvez vous accrocher. Donc vous sautez, vous vous accrochez au réacteur. Donc là, c'est un peu trop. Hop. Je saute, je m'accroche au réacteur. Mais là, j'ai raté. Donc on va recommencer. Il faut en faire en sorte que vous vous propulsiez sur le réacteur pour qu'il vous fasse encore voler encore plus haut. Donc là, je vais sauter ici. Voilà. Hop, là, regardez, mon planeur s'est ouvert. Et là, ben, en fait, là, je suis à 130 mètres, on va dire. Ok, 130 mètres. Plus 130 mètres, ça fait 300 mètres. Donc voilà, grâce à cette technique, j'atteins même peut-être les 350 mètres facilement, tranquillement, avec cette technique. Après, il y a d'autres techniques, hein. Vous pouvez utiliser les ballons. Les grands ballons comme ça, vous vous propulsez sur le ballon, vous utilisez le souffle aérien pour vous envoler, ou alors vous utilisez les tornades, hein, pareil, hein. Ou alors vous pouvez aller vraiment tout en haut de, par exemple, de la tour de Tilted, de l'horloge de Tilted, essayer de vous envoler de la tour de Tilted et essayer de planer après sur 250 mètres, ou alors même sur la tête de la bamboche, donc de l'expert des câlins, vous allez là, vous vous propulsez avec votre grappin et vous essayez de voler sur 250 mètres de distance. Mais il faudra absolument trouver une astuce pour le faire parce que sinon vous ne pourrez pas arriver à faire à planer sur 250 mètres simplement en tirant sur un sapin ou un mur ou n'importe quelle surface solide. Ça ne fonctionnera pas parce que vous n'aurez pas assez de hauteur. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller en mode construction. Vous construisez une énorme rampe, vous utilisez votre planeur à grappin quand vous êtes tout en haut de la rampe, et là vous voyagez sur 250 mètres. Ça aussi, c'est une bonne astuce pour réaliser le défi très facilement. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à planer sur 250 mètres avec le planeur à grappin en une seule fois, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!